c'était un sport qui m'avait toujours passionné, mais forcément à la maison, mon père et ma mère m'avaient un peu influencé pour que je fasse d'autres sports. Donc j'ai fait du basket, un sport études à un assez bon niveau, jusqu'à mon arrivée en STAPS, donc, où par hasard j'ai rencontré des joueuses de rugby qui m'ont dit bah, viens essayer. Donc j'ai essayé comme ça et puis très rapidement je me suis rendu compte que c'était vraiment un sport qui me plaisait énormément et je me suis inscrite 2 ans plus tard en club. J'ai arrêté le basket et ça allait très vite après. Je suis assez honorée parce que, bon, comme je viens de l'expliquer, c'est quand même grâce à l'université que je peux en être là aujourd'hui. Donc c'est pas rien, quoi. C'est remettre des trophées à des sportifs qui peut-être un jour auront l'opportunité d'être en équipe nationale comme moi et vivre des aventures exceptionnelles. Donc ça me faisait énormément plaisir de pouvoir assister à cet événement. Très très belle expérience, vraiment on était dans des conditions idéales, un super hôtel, un super temps, super organisation, donc c'était vraiment bien. On avait le titre quand même qui était vraiment possible à notre main. Mais humainement, j'ai vécu des trucs assez exceptionnels et que du bon, je pense, à long terme. C'est un bonheur ou une concrétisation pour la fac, quoi, pour l'équipe de Paul Sabatier, mais même pour le rugby féminin. On montre quand même qu'on est doué et voilà, c'est vraiment une bonne représentation. C'est bien. C'est en Bulgarie, donc on n'a pas toujours l'occasion d'y aller. En plus, bon, on a gagné, on a joué contre des équipes qui venaient de Norvège, du Portugal et donc de la Bulgarie. Donc c'est super, super enrichissant et super bien. Je trouve que c'est pas mal, surtout à Toulouse, parce qu'on est un peu reconnu, ne serait-ce que par cette soirée. C'est pas le cas dans toutes les universités. Et ça, mine de rien, c'est important, ça médiatise un peu l'athlétisme, c'est pas toujours le cas. Et les lancers, dans mon cas, c'est encore moins médiatisé, donc ouais, c'est un accomplissement pour l'athlétisme en général.